À la veille des clôtures de la campagne électorale, le Timama Loklo de le numéro Saï 1 avec son slogan Mutuniro a poursuivi sa série de tournées dans sa campagne électorale. Dans le littoral de la plaine du lac Albert, le candidat continue à marquer ses empreintes dans les territoires de Djougou en Ituri, où il est candidat député national numéro Saï 1. Le samedi 16 décembre 2023 à Nyamousassi, une localité limitrophe entre Djougou et Irumou, la population a réservé un accueil chaleureux à ses jeunes leaders où il a reçu une colombe en signe de son acceptation dans la zone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Avant de conquérir Tchoumi à 100%, il a visité les déplacés aussi et c'est là, grâce à son premier suppléant, le canal Lambunga Claude, fils du milieu. Mais avant, il a inauguré le bureau du parti politique Congrès national congolais CNC de Pius Mwabilu. Le candidat Malo a été accompagné par une foule jusqu'au point de son meeting à 4 km de cette localité à Tchoumia Centre. Il a été présenté par son premier suppléant, le canal Lambunga Claude, qui est aussi candidat provincial numéro 169. Une réunion pour une réussite certaine. Après cette présentation, il s'est adressé à la foule qui était déjà attentive. Pourquoi le Timama Loklode est-il meilleur? Voilà, nous trois échéances électorales. 2006 pour Tumabatu, 2011 pour Tumabatu, la 2018 pour Tumabatu. Est-ce que Batu Bale va lui dire à Mapana? Voilà. Objectif est tout sur la côte de Djougou, tu n'as que cette assana. Tu n'as que cette assana, tu n'as que cette assana, tu n'as que cette assana, tu vas déplacer à ta cosa. Et tu vile? Tunafika kuwaomba sauti yenu ile le 20 décembre mutuchague sisi comme député national yenu na député provincial bien sûr tuende tutetee mambo ya usalama mutu asiwadanganye wakianja kokesa wapeshere yetu salama eske maisha itakuwa voilà mutuletee sauti kati 20 reste le candidat idéal à la présidentielle pour les élections de ce 20 décembre. La tournée de Timama Loklode s'en est allée sur Djo ainsi que d'autres zones pour conquérir d'autres âmes.